Voilà. Je veux voir les orques. C'est en Norvège que ça se passe, au Cap Nord. Donc c'est parti pour 4000 km. À chaque fois, je me dis, c'est la dernière fois que je fais ces trucs-là, dans le froid. Mais c'est tellement beau, il y a tellement de vie que j'y retourne toujours. Voilà. Je préfère. J'irai sur les tropiques quand je serai vieux. Ah, le voilà. Endroit mythique quand même, le cercle polaire. On n'est plus dans les Vosges pour le coup. Arctic Circle, c'est lui. C'est à 3450 km de Grenoble. Allez. Là, on est arrivé à Skjervøy, notre base. Alors, on va utiliser ce bateau-là. Alors évidemment, le voilier, c'est pas la solution la plus confortable. C'est pas un hôtel sur le port, c'est pas le petit bar le soir, la bière au comptoir. Par contre, si l'activité est en dehors des fjords et un peu loin, ça nous permet de rester sur place et on est autonome. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Bon, on verra si c'est le bon. Partie la plus importante, le caisson étanche. Voilà, il y en a deux. Ah, des renforts. Voilà. Des renforts. Ça va, vous faites un bon voyage. Donc mon équipe, Corinne, plongeuse et médecin, et Pierre, plongeur et skipper. Capitaine en second. Capitaine en second. Voilà. Donc, moi, j'aime bien les petites équipes. Je trouve que c'est fonctionnel. Alors, donnez-moi... voilà, videz vos sacs. Et puis, les sacs vides, on va les mettre ailleurs. Ailleurs. Où ça? Ailleurs. Moins il y a de matériel, mieux je me porte. Et, des fois, on ne peut pas faire... on peut pas faire ça, c'est bien. Larguez. Monte. C'est bon ? Ouais. Ouais, ça va. Maintenant. Donc on va sur cette baie, cet endroit qui est un passage entre deux fjords. Et j'aime assez parce que c'est un petit peu comme un endroit stratégique. Les orques, les baleines passent d'un fjord à l'autre. Les harengs aussi. Voilà, donc on va aller là. En plus, on devrait être quand même assez abrité. Donc ceux qui pensent que venir ici au mois de novembre, on est quand même au-dessus des 70 degrés nord,
on va trouver des lagons, de l'eau calme, du soleil, pas de vent, et voilà. C'est une erreur. C'est une erreur. Il y a des souffles, je vois des souffles le long de la montagne là-bas. Il y a un ou deux bateaux de pêche, peut-être d'autres bateaux à côté. À mon avis, il y a beaucoup de baleines. Je vais recouper. Ça. On est sur le mouillage de Mélan. Et surprise, enfin surprise, les bateaux de pêche qu'il y avait hier après-midi ont dû remettre un filet cette nuit. Voilà, parce que je continue à penser que c'est un endroit stratégique. Les harengs passent d'un fjord à l'autre ici. Et là, ils sont en train de virer le filet.